enfin un bon bouquin, j'ai tendance à dire. C'est Jean-Louis Fournier, écrivain, un peu provocateur, réalisateur à une certaine époque de la minute de Monsieur Cyclopède, de Desproges, copain de Desproges puisque vous l'évoquez. Oui, oui. Dans ce livre, Jean-Louis Fournier, qui n'est ni un roman ni un récit, mais plutôt une vraie déclaration d'amour. Oui, je pense. Vous racontez comment ça a été avec Sylvie, 40 ans de vie commune. Oui. Sylvie était réellement votre femme. Elle était capitale pour moi. J'avais l'impression que c'est quand on dit, on utilise le mot moitié. Vous savez, dans l'argon, on dit c'est ma moitié. Elle était vraiment ma moitié. Et là, actuellement, j'ai l'impression d'avoir perdu ma moitié, de boiter. Elle avait surtout quelque chose d'étonnant, c'est qu'elle avait le courage de me supporter, ce qui n'est pas une mince affaire parce que je vis avec moi depuis longtemps et je sais que c'est très difficile. Vous êtes assez odieux d'ailleurs, hein. On était complémentaires, j'avais les défauts, elle avait les qualités. Spontanément, je pensais à moi, spontanément, elle pensait aux autres. Et ça m'agaçait d'ailleurs de voir quelqu'un qui avait autant de qualités parce que je me disais, moi j'en ai moins. Bon, j'en avais certaines, elle est restée, c'est qu'elle n'était quand même pas complètement mazou. C'est qu'on était très complémentaires, c'est-à-dire on avait les mêmes goûts pour beaucoup de choses. On aimait les mêmes chats, les mêmes maisons, les mêmes vins. Vous racontez, voilà, les maisons, les roses, la traction blanche. Ah, la superbe traction. Oui. Alors, vous avez des phrases qui sont d'une cruauté. J'ai retrouvé des billets de banque dans ton porte-monnaie. Je n'ose pas les utiliser. J'aurais l'impression de te voler. C'est complètement idiot. D'autant que j'ai payé de ma poche les pompes funèbres. Tu me les dois, 3000 euros. Pourtant, j'avais pris un cercueil pas cher puisque c'était pour le brûler. Au début, on s'effondre. On se montre qu'on a perdu sa raison de vivre et que la joie de vivre va disparaître totalement. C'est ce que j'ai cru. Et puis, non. Tout d'un coup, la joie de vivre reprend. Et puis, vous savez, on est tous destinés à partir un jour. Comme si on allait partir en voyage. Et qu'il y en a certains qui partent un poil avant. C'est ce qui est passé pour votre femme. Elle a pris un train un petit peu en avance parce qu'elle ne voulait pas être en retard, sans doute. Elle était scrupuleuse. Et puis vous allez prendre un train un peu plus tard. Vous dites, quand je vois des couples maintenant, je regarde les deux et je me demande lequel va partir le premier. Oui, je joue à ce jeu. Je me dis, c'est lequel qui va prendre le premier train. Bon, là, évidemment, on aimerait mieux toujours prendre le même train. Mais c'est difficile. Vous dites le plus à plaindre, c'est celui qui reste. Hein. Oh, bah ça, évidemment, ça, c'est évident que c'est pas très marrant au départ d'être tout seul, de s'habituer. Et puis alors, c'est ce que je dis souvent, un petit peu, hein, moitié plaisanterie, moitié non plaisanterie. Je dis, avec qui vais-je pouvoir parler de moi? Problème, je vais pas parler avec moi de moi. Vous écrivez que le bonheur, on ne le voit que quand il n'est plus là. En fait. Ça, c'est la phrase la plus... C'est une phrase capitale que tout le monde vérifie. Le bonheur, on le reconnaît au bruit qu'il fait en partant. Ça, c'est Jacques Prévert qui a dit ça. Et je trouve que c'est une phrase absolument géniale. Et on est tous pareils. Parce que tout ce qu'on a, c'est quand ça part, qu'on s'aperçoit que c'était important. Vous savez, quand vous ouvrez un robinet, qu'il y a de l'eau qui coule, vous vous dites, parce que c'est fantastique quand même, l'eau qui coule. Mais le jour où il y a une panne d'eau, vous dites, putain, c'est génial. La même chose pour une lampe électrique. Quand vous appuyez sur un bouton, il y a de la lumière. Et puis un jour, il y a une panne d'électricité. C'est le jour où il y a une panne d'électricité que vous aimez beaucoup l'électricité. C'est pareil pour les êtres humains. Le jour où ils partent, on se dit, mais merde, finalement, j'étais heureux. J'étais heureux. C'est toujours on dit toujours j'étais heureux. Alors, à nos spectateurs, vous êtes très étonnants quand vous parlez, parce que ce sont les phrases exactement que l'on retrouve dans le bouquin. Vous parlez, vous écrivez comme vous parlez. Oui, vous avez tout à fait raison. Une fois, j'avais dit, d'ailleurs, je me mets de l'encre dans la bouche et je parle. Et puis, ça se met sur mes livres. Et c'est vrai que j'ai... Ce qui fait peut-être, d'ailleurs, une des raisons des succès de mes livres, c'est que finalement, les gens ont l'impression d'entendre quelqu'un qui leur parle. Parce que mes lecteurs, ça devient mes amis, finalement. Les gens qui me suivent, ils font partie de mes amis, maintenant. J'ai l'impression de leur envoyer une lettre, chaque fois. Une nouvelle lettre. C'est ça, un écrivain, finalement. C'est un gars qui écrit des lettres qui font 200 pages. Voilà, il est cruel, il est pessimiste, il est amoureux. C'est un livre très beau à découvrir. Merci, Jean-Louis Fournier. Ça a été un plaisir.